忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。表を上げよ。くさび丸、そなたの刀だ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める、そう決めました。我が主のように。とえひとたび敗れるとも、命を賭し主を必ず取り戻す。それが我が忍びなれば。
Bonsoir, messieurs. Ce soir, nous allons parler de Sekiro. Et mettons les choses au clair directement. C'est un jeu... de babouins. Non, mais déjà, tu peux pas dire ça, déjà. Il y a quand même des babouins dans le jeu. Non, oui. Mais non, ce ne sont pas des babouins. Il n'y a pas de babouins au Japon, ce sont des singes. On dit salut en japonais. C'est pareil. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il nous fait le père DG là? C'est un jeu de singes! Il faut apprendre les patterns par cœur! J'en peux plus de ce jeu! Je n'en peux plus! Non, je t'interdis de dire ça, DG. DG, annule la review. Annule! Annule! C'est un jeu de con, je vomis From Software et j'emmerde ton corps communauté de babouins! Non, non, DG, non. Annule. Mais comment tu veux rester calme? Ce jeu m'a sorti un PDF mal foutu! J'ai une gueule à ma pépouillo! Qu'est-ce que je dois faire pour parler de cette daube? Je vais tout de suite mettre les choses au clair parce que là, ça va être mon moment d'expression. Donc, quoi que t'aies prévu dans ton montage, là, je m'exprime. Et il y aura pas de cut. Voilà. Sekiro, c'est un jeu qui s'inscrit fondamentalement dans la culture profonde japonaise. C'est un véritable jeu japonais au sens traditionnel du terme puisque le Japon est l'une des seules civilisations au monde qui a produit une culture intégralement fondé sur le dépassement, qu'il soit mental ou qu'il soit physique. Ça n'est pas une ascèse métaphysique, c'est une ascèse au sens guerrier du terme. Est-ce qu'on parle toujours de Sekiro à ce moment-là? C'est une civilisation guerrière. Sekiro, c'est quoi? C'est un jeu qui nous fait vivre humainement. Ça a beau être du virtuel, mais on vit humainement cette nécessité du dépassement. Que dalle à ce qu'il raconte, le bordel! C'est-à-dire qu'on commence le jeu, on se fait éclater à coups de sabre par tous les boss. Ça demande de la patience, ça demande de la maîtrise, ça demande du perfectionnement. Bref, ça demande de la transcendance au sens japonais du terme, c'est-à-dire un dépassement de soi. C'est ça, Sekiro. C'est une épreuve humaine. C'est une épreuve pour voir si on est digne de ne serait-ce que frôler la civilisation japonaise et ce qu'il a constitué. Voilà, la perfection et le perfectionnement martial. Allô McFly ! Eh oh, y'a quelqu'un McFly, on comprend rien là ! Sekiro, c'est un jeu où on joue un mec qui, jusqu'à la fin du jeu, quel que soit notre niveau, peut mourir en deux coups. Il n'y a pas d'autre jeu comme ça, hein. Même les Souls ne font pas ça. On peut mourir en deux coups tout le long du jeu, donc ça demande une précision, une concentration. Si on n'a pas les nerfs solides, on casse sa manette. Voilà, et donc on aura perdu, on aura échoué dans Sekiro. C'est un jeu qui nécessite de se perfectionner, de prendre sur soi. C'est une épreuve philosophique japonaise. Vous voulez goûter la culture japonaise? N'allez pas au Japon, ne lisez pas Mishima ou je ne sais quoi, son commentaire sur le Hagakure. Non, non, non. Jouez à Sekiro. Les jeux vidéo de Ninja ont toujours été difficiles. Ce n'est un secret de Shinobi pour personne. Fin 88, Ninja Gaiden faisait son entrée fracassante sur Nintendo Entertainment System en mettant en PLS l'intégralité du public. Ultra exigeant, d'une précision redoutable et d'un challenge quasiment inégalé, j'ai lâché mes nerfs sur la troisième phase du dernier boss et n'ai à ce jour toujours pas fini cet incontournable du jeu vidéo. L'année d'après, en 1989, sortait The Super Shinobi, plus connu chez nous sous le nom de The Revenge of Shinobi, sur Mega Drive, lui aussi d'une difficulté redoutable qui nécessitait d'apprendre absolument tout par cœur, des patterns de chaque ennemi aux nombreux pièges disséminés afin de venir à bout du soft. Encore un an plus tard, sortait Shadow Dancer, toujours sur Mega Drive, toujours difficile et exigeant. Enfin, on pourra mentionner Tenchu, sorti en 98 sur PlayStation, et le revival de Ninja Gaiden en 3D sur Xbox sorti en 2004, qui ne sont pas spécialement connus pour leur facilité et qui en auront fait rager plus d'un. C'est donc sans surprise que le nouveau bébé de From Software, réalisé par Hidetaka Miyazaki et Kazuhiro Amatani, embrasse l'héritage de la difficulté des cadors du genre et des jeux précédents de la firme Nippon. Ceux qui auront touché à Demon's Souls, Dark Souls ou Bloodborne ne seront pas surpris devant le challenge proposé par Sekiro Shadows Die Twice. Quant aux nouveaux venus, accrochez vos ceintures et faites chauffer les shurikens, on n'est pas là pour déconner. Se déroulant à la fin du 16e siècle, lors de l'époque Sengoku, Sekiro vous met dans la peau de Lou, un shinobi
qui est accessoirement garde du corps de Kuro, l'héritier divin du sang immortel du dragon. Ce dernier se fait capturer telle Princesse Peach par Genichiro, le super méchant de l'histoire, qui a l'ambition de dominer Ashina en se servant du sang de Kuro pour créer une armée immortelle. Lou, qui a senti le dictateur en herbe pointer le bout de son museau de babouin, n'a plus qu'une seule issue, c'est la bagarre. Il perd malheureusement son bras gauche dans le processus et n'était pas loin de se prendre un kebab sauce harissa dans le cul. Sentant qu'il n'est plus dans le top, qu'il est en S, il va voir un spécialiste en réparation de bras, le sculpteur. Maintenant armé d'un bras prothétique et disposant de l'arsenal complet et authentique d'un réel shinobi, dont un parapluie et un lance-flammes, si c'est authentique, Lou est bel et bien décidé à mettre un terme à tout ce merdier. Je ne vais pas vous le cacher, j'ai rarement autant ragé devant un jeu vidéo qu'avec ce Sekiro Shadows Die Twice. Toutes les émotions y sont passées, et c'est peut-être pourquoi je sors momentanément de ma retraite de testeur pour vous en parler quelques minutes. Je savais pourtant où je mettais les pieds avec From Software, mais je pensais qu'ils auraient corrigé les défauts inhérents à leur jeu, à savoir en priorité les problèmes liés à la caméra, au lock et à la hitbox. En 2010, je faisais partie des quelques heureux acheteurs français de Demon's Souls, du même réalisateur Hidetaka Miyazaki, un jeu qui m'avait particulièrement plu, car il était unique dans le paysage vidéoludique de l'époque et extrêmement difficile. Si difficile que j'avais eu recours à l'excellent guide d'Exerve sur Dailymotion. J'en étais ressorti heureux. Heureux d'être venu à bout d'un soft aussi éprouvant. Mais les années ont passé, nous sommes maintenant en 2019, et mon niveau d'exigence n'est plus du tout celui de 2010, et ce pour tous les domaines. Le niveau global du monde du jeu vidéo me satisfait énormément ces dernières années. Je vous le dis clairement, nous vivons la meilleure époque depuis Pong. J'ai eu ma période nostalgique des années 90. J'ai adoré un paquet de titres dans les années 2000. J'ai peut-être juste été un peu déçu d'un certain manque de renouveau et d'un pompage à outrance au début des années 2010. Mais depuis 2015, je compte au moins 3 jeux majeurs qui ont changé le game. Metal Gear Solid V The Phantom Pain, The Legend of Zelda Breath of the Wild et bien sûr Red Dead Redemption 2. Il va se passer un certain temps avant que ces titres soient supplantés dans leurs genres respectifs. Sans même mentionner des killer apps récents comme Hellblade, Devil May Cry 5, Dragon Ball FighterZ, Detroit Become Human et même, j'ose le dire, le dernier Spider-Man. Bref messieurs, nous vivons une grande époque. Le média se porte extrêmement bien, contrairement au cinéma, et ça me rend heureux. Mais l'excellence rend exigeant. Par conséquent, j'ai du mal à pardonner la pauvreté technique de ce Sekiro Shadows Die Twice. Pour deux raisons. La première, c'est que From Software, malgré leur budget restreint, n'est plus un outsider. C'est une compagnie qui a une véritable renommée, une légitimité, et contrairement à Darty, je pense qu'on peut bel et bien parler de contrat de confiance. Je ne comprends donc pas comment ils peuvent se permettre en 2019 de sortir Sekiro avec un moteur technique complètement dépassé à la ramasse, digne de l'ère PS3 360 et avec une optimisation scandaleuse sur PS4 standard. Quand on voit à quel point les derniers jeux sortis sur PS4 sont réglés comme des horloges, il y a de quoi se poser des questions. Où passe le pognon des joueurs? Comment peut-on vendre autant de jeux et se permettre un tel laisser-aller? La deuxième raison, et c'est la plus importante, quand on impose un tel niveau d'exigence aux joueurs dans le gameplay, dans le timing, il est impensable que le développeur n'en fasse pas de même avec le framerate et le système de lock caméra. Le jeu devrait être absolument parfait techniquement, sans faille, mais ce n'est absolument pas le cas. Évidemment, les joueurs PC n'ont pas ce problème lié au framerate, tant mieux pour eux, mais concernant les joueurs console, nous nous sommes fait rotka, messieurs. Sekiro souffre de latence impardonnable et d'un input lag que je n'avais pas vu depuis Perpète. Quant à la caméra, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Vous serez parfois sur une phase décisive, je pense par exemple à la quatrième phase du boss de fin, et la caméra va gentiment se déloc. Vous allez perdre de vue le boss qui va vous foutre un coup de lance dans le dos que vous n'aviez pas pu voir venir, et c'est reparti pour 15 minutes d'enfer. Vous rencontrerez aussi des bugs occasionnels, je pense par exemple au sifflet qui ne marche pas parfois contre le démon de la haine, allez comprendre pourquoi. C'est juste scandaleux. Si je fais un scandale, je vais péter un plomb. Quand on demande ce niveau d'exigence aux joueurs, il faut avoir soi-même ce niveau d'exigence en tant que développeur. Et ça, From Software a l'air de complètement l'ignorer. Ce qui résulte de cette insouciance complète vis-à-vis de la technique,
C'est un problème que nous connaissons depuis toujours avec les jeux vidéo. Si vous mourrez et que ce n'est pas de votre faute, vous allez péter un câble. Un passionné de jeux vidéo ne va pas tempester que ça contre le jeu si la mort est légitime. A l'inverse, quand on meurt pour un problème lié à la technique du jeu, c'est difficile de passer outre. Et je vais donc directement mettre Sekiro en concurrence avec Devil May Cry 5 sorti récemment, qui est quasiment irréprochable de ce côté-là. Avec un moteur dernier cri, un framerate de 60 FPS constant sur PS4 standard et un gameplay inattaquable, malgré quelques micro-soucis de caméra, il est compliqué de se plaindre de la difficulté extrême que propose le jeu de Capcom en mode Don't Must Die. L'autre point qui me dérange avec Sekiro, et plus globalement avec les jeux From Software, c'est la difficulté artificielle qui gonfle la durée de vie, sans que ça amène la moindre plus-value supplémentaire. Il y a notamment deux boss dans le jeu qui possèdent plus de deux phases, comprenez par là qu'il faudra leur enlever plus de deux barres de vie. Mais il n'y a aucun checkpoint. Si vous perdez lors de la troisième phase du deuxième affrontement avec Genichiro, ou la troisième ou quatrième phase du boss de fin, vous devrez tout recommencer. C'est un processus extrêmement pervers et petit joueur. En réalité, la durée de vie de Sekiro est très faible. En refaisant le jeu New Game Plus, il m'a fallu moins de 10 heures pour boucler l'aventure. Mais lors de ma première partie, j'ai largement dépassé les 30 voire 40 heures de jeu. Pourquoi ? Car j'ai passé plus de 10 heures sur le boss de fin. La raison pour laquelle j'ai autant galéré devant ce boss de fin, au-delà des problèmes de caméra, c'est lié à un truc tout bête. Il faut apprendre les patterns par cœur. Et quand je dis par cœur, c'est par cœur de chez par cœur. Et ces patterns changent à chaque phase du boss de fin. Si j'avais eu un checkpoint, j'aurais pu apprendre par cœur beaucoup plus rapidement chaque phase. Mais en l'état, le temps d'arriver à la quatrième phase et d'en assimiler tous les patterns, je suis mort un nombre incalculable de fois en phase 1 et 2, et il m'a fallu énormément de temps pour que je comprenne vraiment les patterns et le feeling de la phase 3, puis de la phase 4. Chaque mort était synonyme de tout recommencer en phase 1. Bref, l'enfer. Ce boss de fin est certainement le plus pété de l'histoire du jeu vidéo, uniquement à cause de cette décision arbitraire de n'offrir aucun checkpoint et de tous les problèmes liés à la caméra lock, et je pense que nombreux sont ceux qui laisseront tomber Sekiro devant ce boss. Mais d'un point de vue de difficulté réelle, on a vu pire. Je pense notamment au boss de fin de God End, Rodin dans Bayonetta, et même récemment Virgil dans Devil May Cry 5. D'ailleurs, parenthèse, les testeurs professionnels qui ont attribué une très bonne note à Sekiro sans finir le jeu, c'est-à-dire sans battre le boss de fin, sont indignes de la profession et sont passés complètement à côté du jeu. Car j'y reviendrai, tout l'intérêt du jeu de From Software réside dans cet ultime boss de fin que j'ai autant détesté pour sa difficulté arbitraire et abyssale que je l'ai aimé pour l'exigence qu'il demande. Si vous n'avez pas maîtrisé le gameplay de Sekiro durant l'aventure, le jeu vous renverra la gueule que vous n'êtes qu'une merde qui essaie de gruger et vous obligera à passer au stade supérieur et débloquer l'ultra-instinct pour prouver que vous êtes digne d'être le super shinobi. Pour conclure sur la difficulté du soft, j'insisterai sur une chose. Si j'étais père de famille et que je n'avais que 2 heures par semaine pour jouer aux jeux vidéo, je ferais tout simplement l'impasse sur Sekiro. Le mec qui s'imagine qu'on ne la lui fera pas, qu'il aura la patience de venir à bout du boss de fin alors qu'il a aidé sa femme à faire la vaisselle et qu'il a changé les couches et qu'il vient de se poser une heure devant Hanouna, il ne sait pas encore à quelle sorcellerie il a affaire. Bref, si vous êtes père de famille et que vous avez fini Sekiro, écrivez-moi. Au-delà de ce côté parcours du combattant, que propose Sekiro ? Malheureusement, pas grand-chose. Et c'est devenu vraiment flagrant lorsque j'ai fait le New Game Plus pour les besoins de capture vidéo de cette review. Le level design est très mal pensé. Vous aurez parfois l'impression en jouant d'être en face d'un simili open world, tellement certaines zones paraissent démesurées. En réalité, toutes les zones ne sont pas liées entre elles, et vous aurez besoin de vous téléporter via les idoles statues pour accéder à certains environnements qui sont fermés et non interdépendants. Pire, vous n'aurez parfois qu'une envie en parcourant la map, vous voudrez speedrunner les zones pour accéder à la prochaine statue qui vous permettra de regagner votre barre de vie, enclencher un checkpoint et faire le plein de potions et d'emblèmes. Pourquoi ? Car la résistance des ennemis est dingue, qu'ils agissent en groupe, que vous n'avez pas de frame d'invulnérabilité lorsque vous tapez un ennemi et que chaque mort est synonyme de perdre la moitié de sa thune et de son expérience. Par conséquent, au bout de plusieurs morts, vous vous retrouverez à sec et avec toute la barre d'XP à remplir de nouveau. Sans parler de la grande idée à la con de From Software, à savoir la peste du dragon qui rend certains PNJ malades. Pire, ils peuvent mourir et vous ne pourrez pas venir à bout de certaines sous-quêtes si vous mourrez trop souvent d'affilée sans soigner les malades. Alors évidemment, on peut passer les zones en la jouant full infiltration.
Il y a des zones où ça peut se faire tranquillement, et d'autres où c'est mission impossible, car tous les mobs regardent en différentes directions et sont agglutinés au même endroit. S'ils entendent qu'un de leurs potes s'est fait dessouder, ils vont tous venir contre vous, et vous allez prendre vos jambes de shinobi en courant, et pourquoi pas partir dans un écran de fumée. J'ai trouvé ce côté infiltration inintéressant, désuet et complètement archaïque. L'impression de revenir 10 ou 15 ans en arrière. Il faut appuyer sur carré pour se plaquer contre les murs. L'IA des ennemis est complètement conne et parfois incompréhensible. Si bien qu'il est parfois impossible de savoir comment elle va réagir. Personnellement, je vous recommande de foncer dans le tas, la jouer bourrin et vous tailler quand ça sent roussi. De toute façon, la prochaine statue n'est jamais très loin. Du côté du gameplay, je l'ai trouvé archaïque et médiocre en début de jeu, malgré un gain de dynamisme considérable par rapport à la formule des Souls et Bloodborne. Nous ne contrôlons plus un chevalier médiéval avec un balai dans le cul, mais un shinobi super rapide avec une endurance infinie qui se pavane dans les airs tel Batman dans Gotham avec son petit grappin de poche. Arrivé à la fin du jeu, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre de compétences que je n'avais pas débloquées et j'ai fait le tour de l'arbre de compétences lié à la prothèse. J'ai tout max out. Et là, je me suis dit l'espace d'un instant que le gameplay n'était pas si incomplet et médiocre que ça. Mais en faisant New Game Plus, j'ai été obligé de faire le constat que les armes et gadgets liés à la prothèse ont un intérêt très limité, en plus d'être une plaie à débloquer. Il faut en effet farmer certains items spécifiques et rares pour tout débloquer, et ça prend des heures et des heures. Si bien qu'en fait, on est obligé de faire les trois quarts du jeu avant de tout avoir. Pire, il faut coupler aux outils de prothèse certaines compétences spécifiques pour débloquer certains coups en fonction de certaines armes. Bref, un vrai merdier, et au final pourquoi? Pour n'en avoir quasiment aucune utilité. En vrai, le sifflet max out est très utile contre le démon de la haine, et les pétards et shuriken occasionnels contre certains boss peuvent vous sortir d'une mauvaise passe. Mais en ce qui concerne le vortex doré, le lance-flamme, la lance, la hache, le parapluie, etc., franchement, on peut largement s'en passer, c'est complètement optionnel. J'ai même envie de dire que tous les outils de prothèse sont optionnels. Ce n'est ni spécialement fun à utiliser en dehors du lance-flamme, ni ergonomique, ni véritablement utile. Je me suis amusé dans certaines zones rapidement pour faire le tour de mes gadgets, mais je n'ai globalement compté que sur mon sabre durant tout le New Game Plus. Pourquoi pomper Phantom Pain et complètement zapper le fulgure au point, messieurs, le fulgure au point? Ça, c'est un gadget intéressant et indispensable. Fulgure au point! Le gros problème du gameplay pour moi réside dans sa simplicité archaïque. Quand on ressort de Devil May Cry 5, c'est compliqué de se satisfaire du strict minimum proposé par Sekiro. On ne se sert véritablement que de 4 touches. L1 pour la parade, R1 pour l'attaque, rond pour l'esquive et croix pour sauter. Le reste, on s'en fout. Même le grappin qui est utile pour avancer vite dans les zones n'a qu'un intérêt très limité contre les boss, puisque la plupart n'en proposent même pas l'option. Quant au combo, ça doit être la pire proposition d'exécution que j'ai pu voir dans un jeu du genre. On a le choix entre une variété de combos, mais tous s'exécutent de la même façon. L1 plus R1. Et il faudra à chaque fois repasser par le menu pour choisir le combo qu'on veut utiliser. Aberrant. Pourquoi ne pas avoir proposé des successions de touches? Pourquoi ce système de merde? Bon, on saura pas. Pour être gentil, je dirais que les mecs de From Software ont fait des progrès par rapport aux Souls, mais on est encore très loin du compte. Tout cela étant dit, au-delà des combos ultra limités, de l'input lag et des problèmes de log caméra, le jeu répond au doigt et à l'œil. Et il faudra doser le jeu avant de faire corps avec, d'assimiler à 100% le timing et les contres, et de poutrer les boss. Il faudra notamment apprendre à quoi sert la barre de pari qui se remplit à chaque déviation de coup réussi, que ce soit en ce qui vous concerne ou en ce qui concerne votre ennemi. Un système très malin, une des bonnes idées du jeu, ce qui n'est pas sans rappeler un certain Metal Gear Rising Revengeance qui proposait la même idée et qui, pour le coup, tourné à 60 fps sur PS3 et 360. Comme quoi. L'OST quant à elle fait le taf, sans être mémorable ni génial. Il n'y a aucun thème musical marquant du début à la fin de Sekiro, ce qui est regrettable, mais c'est fonctionnel le temps de la partie. Je pourrais aussi me plaindre du fait qu'on enchaîne boss sur boss durant toute l'aventure. C'est simple, arrivé à la fin du jeu, j'ai eu l'impression d'avoir vécu un boss rush. Tous les 100 mètres, on se retrouve contre un mini-boss ou un boss, sur lequel on va passer entre 5 minutes et 10 heures. Cette disposition des boss hache considérablement le rythme de l'aventure lors du premier run. Lors du New Game Plus, j'ai eu la sensation de parcourir un énorme désert rempli de boss. Encore une fois, le level design est mal pensé.
Il n'y a pas de piège et pas de vraie recherche dans la proposition de faire vivre aux joueurs un parcours mémorable. Il suffit juste d'aller d'un point A à un point B sans mourir, peu importe la méthode, et liquider le boss de la zone. La seule chose qui reste est d'essayer de s'amuser avec l'arsenal du shinobi pour faire mumuse avec les mobs. Voilà. Le scénario quant à lui tient sur un timbre-poste et n'a pratiquement aucun intérêt. J'allais oublier l'aspect casino de Sekiro. Vous êtes déjà allé au casino ? Miser dans une machine, gagner une fois, et réinvestir en boucle, jusqu'à se rendre compte qu'on a gagné une fois sur 100 ? C'est un peu ça Sekiro, surtout le boss de fin. Il y a un facteur chance considérable lors des boss fights, lié au pattern aléatoire qu'ils sortent. Parfois, vous allez vous prendre la misère, la quinte flush royale de la mort dans votre gueule, avec un petit bonus caméra lock de merde en prime, et le jeu va vous coucher et vous déprimer. Mais pour peu que vous ayez l'esprit accro au jeu, vous allez y retourner en vous disant « Eh, j'ai gagné une fois, ça fait peut-être 50 fois que je perds, mais ce coup-ci c'est la bonne !» Et le jeu va vous recoucher une énième fois, encore et encore. Alors, que reste-t-il de Sekiro après l'énumération de tous ses défauts ? Vous aurez peut-être l'impression avec cette review que j'ai détesté le jeu. Eh bien, bizarrement, non. On pourrait même dire que j'ai adoré le jeu. Comment expliquer que je l'ai fini deux fois et ai accepté 10 heures de souffrance contre le boss de fin autrement ? Je me suis posé la question avant de vous proposer cette review. Beaucoup de choses m'ont énervé dans le jeu. J'ai ragé au plus haut point. Mais il y a quelque chose dans ce jeu. Quelque chose qui relève du surpassement de soi. D'arriver à vaincre l'impossible. Et si je n'ai pas éprouvé de réelle joie interne en battant le boss de fin, j'ai été au moins soulagé d'y être arrivé. Et je dois l'admettre, ce boss de fin m'a fait plaisir. Je dirais que l'intégralité de l'intérêt de l'expérience proposée par Sekiro repose sur ce boss de fin. C'est pour ça qu'il est impensable de parler proprement du jeu sans avoir battu ce boss de fin, ni même d'y être arrivé. Parce que quand on arrive enfin à maîtriser ces quatre phases, quand on lui renvoie coup pour coup, quand on est dans l'intensité de ce duel au sommet, avec ce travail phénoménal sur les bruitages, le niveau de précision exigé dans le timing et les contres, il se passe quelque chose qu'il se passe rarement dans un jeu vidéo. Vous ne savez plus que vous jouez à un jeu vidéo. Vous êtes en totale immersion dans l'univers proposé. Vous faites corps avec le soft. Et pour moi, c'est ça la plus grande réussite de Sekiro, et plus globalement de From Software depuis leur début. Leur jeu vous conditionne tellement à recommencer encore et encore, tous les patterns imprègnent tellement votre cerveau, que vous ne vous rendez même plus compte que vous contrôlez le personnage d'un jeu vidéo. Vous êtes tellement dosé, névrosé, et disons-le clairement, devenu taré, que vous êtes devenu partie intégrante du jeu vidéo. Vous et Lou ne faites plus qu'un. Et le monde de Sekiro s'offre à vous. Et vous allez tous les fumer jusqu'au dernier de ces enfoirés. Il y a une certaine forme de syndrome de Stockholm là-dedans. Mais cette exigence demandée, je l'ai aimée. Étant moi-même très exigeant. Je demanderai juste à From Software d'exiger le meilleur de même techniquement la prochaine fois, car cette fois-là, je ne les pardonnerai pas. Pour conclure, messieurs, ce que je ressens vraiment par rapport au jeu est synthétisé dans le début de la vidéo, et j'espère que le résultat vous plaira. C'est ça que je retiendrai de Sekiro. Quelle ambiance, quelle direction artistique, quel minimalisme dans les dialogues, quelle classe. La direction artistique de Sekiro est l'une des plus belles que j'ai vues ces dernières années. C'est dit, certains environnements sont juste à tomber. Et rien que ça pour moi, ça fait énormément. Quel dommage que le moteur et le framerate ne soient pas au niveau. Bref, si vous n'êtes pas père de famille, que vous vous sentez l'âme d'un hardcore gamer, joueur de casino occasionnel, et idéalement que vous habitez dans l'espace où personne ne vous entendra hurler de rage, foncez sur Sekiro. Une valeur sûre et un prétendant sérieux au titre de GOTY 2019. Sur ce, nous allons écouter l'avis de Joachim. Mon avis sur Sekiro, finalement, il est très tranché. Sans mauvais jeu de mots. Il est très tranché. Vous avez vu toutes les émissions qu'on a faites. Je crois que j'en ai fait à peu près 5. Déjà, on a fait plus... moins, elles étaient plus longues, enfin peu importe, on en a fait quand même pas mal. Et Joachim, le tigre de Honshu, Honshu no Tora, c'est pas un titre que j'ai usurpé. Parce que j'ai fini le jeu, parce que c'était difficile, parce que j'ai voulu aussi jouer un petit peu comme DG, j'ai très peu utilisé les prothèses personnellement, avant la fin du jeu. J'y ai pas passé tant de temps que ça, il est plutôt court par rapport au Soulsborne, mais je vais vraiment synthétiser ma pensée.
au-delà de ce que j'ai dit au début, que je pense vraiment, c'était pas un texte de mise en scène, c'était ma vraie pensée sur le jeu, c'est un jeu sur la transcendance au sens japonais du terme. Voilà. Et donc c'est un jeu japonais. Je crois que s'il fallait synthétiser Sekiro, c'est une œuvre japonaise. Voilà, on pourrait s'arrêter là, mais bon, on va pas le faire. C'est un univers exceptionnel et marquant, si tant est qu'on s'y attarde. Les environnements sont pétris de folklore, de culture japonaise. En même temps, avec un certain propos propre à From Software, toujours cette décadence des lettrés qui se retrouvent sans jambes parce qu'ils les utilisent peu, donc ils ont des espèces de tentacules. C'est fascinant, les univers des jeux From Software. L'OST qui a été critiquée parce qu'elle serait peu marquante. Je le répète, dans la tradition musicologique japonaise, il n'y a pas vraiment de mélodie. C'est pas ça la musique japonaise à la base. C'est pas une musique qui se veut mélodieuse et aussi harmonieusement complexe que la nôtre. C'est des musiques de méditation, c'est des musiques de travail, souvent, travail sur soi. Et dans le jeu, c'est extrêmement bien retranscrit. C'est des musiques non seulement d'ambiance, mais d'apaisement. Dans plein d'environnements, et je pense bien sûr à cet environnement magnifique que vous avez tous vu si vous avez fait le jeu jusqu'à la fin. Cet environnement où il y a un grand lac au milieu, et il y a des espèces de moines, et puis des guerriers. Magnifique, magnifique, la petite musique à la flûte, etc. Le game design et le level design, ils sont à la hauteur des Souls, même s'ils sont moins importants. Pourquoi ils sont moins importants? Parce que bah, dès le début, il y a la TP. C'était le cas de Bloodborne, mais Bloodborne incitait plus à l'exploration. Sekiro, le problème, c'est que vu qu'on peut sauter, vu qu'on a un mec ultra rapide, ultra vif, et qu'il n'y a plus de barre d'endurance, et bah, on peut rusher les niveaux. Et on peut non seulement les rusher, mais surtout le jeu a un côté boss rush, parce qu'il y a un boss quasiment tous les 20 mètres. Un mini boss ou un gros boss. Ça, au début, c'était perturbant, mais c'est vraiment prenant quand on se met au jeu, vraiment. Et ce qui est énorme, comme je disais en intro, même si j'ai pas voulu trop le développer, c'est la courbe de progression, qui n'est plus vraiment fondée, contrairement aux autres jeux Dark Souls, je suis désolé de le dire, même s'il y avait de l'apprentissage du gameplay, la courbe de progression, et contrairement aux autres jeux, n'est pas fondée sur un level up, ou sur des attaques débloquées, par exemple comme dans Devil May Cry, etc. C'est le fait qu'on maîtrise un gameplay assez simple, mais qui est très dur à exécuter lorsqu'il est poussé à son paroxysme. La courbe de progression, c'est ce qu'on apprend. C'est ce qu'on apprend dans le jeu. Et pas seulement les patterns, contrairement à ce que je disais au début. C'est un vrai gameplay que je trouve, pour ma part, assez révolutionnaire. Dans la gestion de la barre de posture, etc. Vraiment, chapeau From Software. C'est le meilleur gameplay From Software pour moi à l'heure actuelle. Et je dis ça après avoir fini le jeu et après avoir pris le temps de maîtriser le gameplay. Même si le jeu, encore une fois, n'est pas très long. Et par exemple, le boss final, c'est quoi? C'est 4 barres de vie. C'est un boss qui vous tue, quel que soit votre niveau, quelle que soit votre barre de vie, etc. Peu importe, c'est pour ça que je dis que le level up ne compte pas. C'est un boss qui mélange tous les styles d'ennemis possibles du jeu. C'est-à-dire qu'il a des attaques avec un AOE énorme. Il a plusieurs types d'attaques pour plusieurs types d'esquives. C'est-à-dire attaque rotative, donc il faut sauter pour l'esquiver. Les stocks, il faut faire le contre-mikiri, etc. Et vous avez peu de temps pour réagir, pas beaucoup de courbes d'apprentissage sur le moment parce que vous mourrez très vite, et donc c'est un jeu vraiment qui appelle à cette patience là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et cette courbe de progression là, je l'ai trouvée assez exclusive. C'était un peu le cas des beat'em all type Bayonetta, Devil May Cry, où il n'y avait pas de level up, mais là c'est tellement exacerbé que c'est énorme. Et donc pour conclure, Sekiro, c'est déjà un jeu de la génération pour moi. Déjà un jeu de la génération, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie. J'avais rarement ressenti ça devant un jeu vidéo. Pour moi, c'est une œuvre d'art japonaise, vraiment, vraiment, vraiment. Et il rivalise aisément avec un Bloodborne. Pour Dark Souls, je dirais pas qu'il est mieux que Dark Souls, parce que Dark Souls est tellement culte, tellement bien fait dans son game design, son level design. Il était révolutionnaire, même si finalement c'est la suite de Demon's Souls. Mais bon, la plupart des gens ont connu tout ça avec Dark Souls. Sekiro, un indispensable. Par contre, préparez vos nerfs. Et surtout, surtout, préparez votre skill. Parce que là, la dextérité qui va vous être demandée, la concentration qui va vous être demandée, ce sera un effort réel. Vous voyez, le jeu vidéo, à tous ceux qui disent que c'est un moyen d'échapper la réalité ou je sais quoi, ben Sekiro, il vous met un coup de katana en pleine tête quand vous jouez. Et croyez-moi que si vous avez des problèmes, le jeu, il va pas vous les régler dans votre vie, il va tout multiplier. C'est-à-dire que vous avez un petit problème, quand vous jouez à Sekiro, ça devient une montagne parce que le jeu vous met les nerfs. Mais c'est là qu'on voit qui est un vrai moine,
japonais. Voilà. Et je conclurai sur une citation de Yukio Mishima. Mon but, c'est de ressusciter en moi-même l'âme du samouraï. Le samurai. Et ça, quelque part, je peux vous dire un truc. Sekiro, c'est une revivification. Virtuelle, certes, mais de cet esprit-là. Bon, après, il faut quand même préciser que le jeu, historiquement, a des problèmes. C'est pas le but du jeu, hein, d'être quelque chose de fidèle avec une historicité aiguë. Mais bon, on joue un shinobi. Donc les ninjas qui sont méprisés par les samouraïs et la caste guerrière japonaise, puisque c'est des espèces d'espions assassins qui tuent par derrière, toujours dans l'ombre, etc., qui sont incapables de duel, finalement. Et on joue donc à un shinobi qui fait que des duels frontaux contre des samouraïs, qui a un katana énorme, qui maîtrise pas vraiment le camouflage, même si, bon, héritier de Tenchu oblige, on peut se cacher et tout, mais c'est assez anecdotique, en fait, dans le jeu. Le gameplay infiltration n'arrive pas à la cheville d'un Tenchu, on peut pas s'accrocher au mur. Le grappin, on peut pas le mettre partout où on veut, quand on veut. Y a pas de boulettes de riz empoisonnées, y a pas de fléchettes empoisonnées à envoyer sur les ennemis par derrière pour qu'ils meurent. Bref, le gameplay infiltration est finalement assez anecdotique. Le cœur du gameplay, c'est les duels contre les mini-boss, contre les boss. Le reste, c'est pas très important. Voilà. Et pour conclure, bravo From Software, parce que le jeu que vous avez fait là, ça demande un savoir-faire énorme. Gros mauvais point par contre pour la technique. Je dois finir là-dessus, sur cette note négative. La technique est immonde. Immonde sur PS4 normal, même sur PS4 Pro, même sur Xbox One X. Il n'y a que le PC qui tourne bien. C'est pas acceptable pour un jeu qui demande une telle précision de tourner en 30 FPS max sur PS4 normal. Max. Parce que pendant des boss, parfois, ça tombe à 20-25 FPS. C'est pas acceptable. Mais bravo quand même, From Software. Alors Sekiro, c'est de la merde, hein, c'est de la grosse chiasse. Je rigole, hein, je rigole. Lui, il va casser les couilles, hein. Voilà, donc, je suis sur lui depuis hier, hein. J'ai fait une petite partie hier, et puis je suis arrivé à ce connard. La chouette, on l'appelle, le gars. Voilà, c'est le fils de pute, ils auraient dû l'appeler le fils de pute de base. Mais voilà, bonsoir, bienvenue sur cette magnifique vidéo. Merci à toi déjà, hein, de m'avoir invité à participer. Donc mon avis sur Sekiro, il a pas forcément évolué depuis le live qu'on a... J'ai rien préparé, hein. J'ai un putain de 10 ans, quoi. Là c'est un putain de 10 ans, hein. Même putain 11 ans, hein. J'ai vraiment rien préparé. Sekiro, j'ai pas grand chose de plus à ajouter par rapport à ce qu'on a dit dans la vidéo, dans l'espèce de live qu'on avait fait là. Je trouve que c'est vraiment un excellent jeu. Pour moi, c'est clairement du très très bon. C'est le renouveau de From Software, ça fait plaisir. Parce qu'ils commençaient à nous casser les couilles avec leurs Souls, c'était tout le temps un peu la même chose. Le gameplay a évolué, ils ont changé beaucoup de mécaniques de jeu, c'est totalement un nouveau jeu, c'est pas un Souls. Moi je trouve ça excellent, je trouve que le gameplay est génial. Quand on l'a en main, c'est un pur bonheur. Je me suis refait d'ailleurs toutes les zones que j'avais fait en live, en galérant, machin, tout. J'ai tout refait maintenant que je maîtrise le gameplay. Vous avez vu, je me suis fait démonter, mais... Je maîtrise le gameplay théoriquement. J'ai roulé sur les zones. C'est un kiff total de faire des contres et d'éclater des putains de mobs qui me faisaient galérer au tout début de jeu. Donc, une fois qu'on a le gameplay en main, c'est pas un jeu si dur. C'est un jeu qui est exigeant. Par contre, ça, c'est un truc de psychopathe. C'est pas une blague. C'est vraiment un jeu très très exigeant. Et c'est un jeu où il va falloir tryhard. Et puis, quand on perd. Faut pas se dire que c'est de la faute du jeu. Même si je suis d'accord, il y a certaines difficultés un peu artificielles, notamment les 74 formes des boss. T'arrives à un moment où tu te dis, les gars, faut arrêter parce que je viens de buter le gars deux fois, j'ai plus de vie en fait. Il faut le tuer trois fois. Ah d'accord! Donc tu recommences pendant 5 heures. Bref.
Non, mais ouais, voilà, excellent jeu. Pour moi, c'est... ça a été un espèce d'ascenseur émotionnel, ce jeu. C'est, au tout début, j'étais en kiff total. Après, j'étais un peu en train de me dire, c'est un jeu qui est pas pour moi, parce que c'est beaucoup trop compliqué, j'arrive pas à avoir le gameplay et tout en main. Et une fois que, encore une fois qu'on a le gameplay, c'est un plaisir. C'est un plaisir, même si on galère. Hein. Là, c'est la deuxième partie dans le château d'Ashina. On y retourne, je vais pas trop spoil, mais c'est vachement compliqué, il y a des mobs un peu plus vénères et tout, mais voilà, avec le skill qu'on acquiert au fur et à mesure du jeu, je trouve que le jeu n'est pas si dur que ça. Mention spéciale pour la bande-son, parce que je trouve que quand on joue avec un casque, tout seul, voilà, dans une bonne ambiance et tout, honnêtement, la musique, mais c'est un kiff total, hein. Ça m'a vraiment fait penser, quand je jouais à Skyrim à l'époque, en 2011, ça remonte, hein, et que voilà, je passais des nuits sur Skyrim parce que l'ambiance était dingue, et il y avait la musique, quand tu te baladais à Blancherie, machin, dans les plaines de mon trou du cul, t'avais une zik de psychopathe d'ambiance, mais qui faisait kiffer, quoi, et Sekiro, c'est ça. Je trouve que la zik est vraiment vraiment kiffante, donc ça, mention spéciale, parce que dans les Souls, mis à part les musiques de boss et la musique de l'Ichefeu, on va dire, bah, y a très très peu de musique dans le jeu, hein. C'est plutôt des ambiances sonores, quoi. Donc voilà, globalement, pour moi, c'est le best game qu'on a pour le moment cette année, hein. C'est, clairement, il y a pas mieux, hein. Ne parlez pas de Resident Evil 2, s'il vous plaît, parce que c'est juste un jeu popcorn, hein, Resident Evil 2. Ça ne sert à rien, ce jeu. Je sais même pas pourquoi ils l'ont sorti. C'était sympa, mais voilà, maintenant le gars est au placard, je ne le sors plus du tout. Plus jamais, je vais mourir sans rejouer à cette merde. Hein, parce que voilà, il n'y a aucun intérêt à jouer à RE2 Remake, comme j'avais dit dans mon live, à la fin du jeu. Je préfère totalement me refaire une partie du RE2 PS1. Qui au moins avait une bonne ambiance et qui pour l'époque était vraiment un très très bon jeu. Et même graphiquement, j'ai rematé des petites vidéos du jeu. Graphiquement, il est vraiment vraiment pas dégueu, quoi. Hein, par rapport au premier, il y a vraiment une évolution graphique. Donc voilà, on s'en bat les couilles. Mais voilà, donc bref, c'est Sekiro, excellentissime. Si je devais dire, voilà, un défaut, je trouve que c'est vraiment les boss qui ont beaucoup trop de forme. On nous avait déjà fait ça avec le DLC de Dark Souls 3 où tous les boss avaient 3 formes, tu sais, limite. C'est pas fun. Moi, je préfère un boss technique, à la limite, qui a une longue barre de vie, machin, qu'un boss qui se réveille dès que tu le tues et qui te fait une blague en disant hey, je suis pas mort. Ça, c'est chiant. Tu le fais une fois, deux fois, mais tous les boss, c'est pas possible. Voilà. Mention spéciale pour la religieuse, où il n'y avait pas ça. La religieuse, ils ont pas fait ça. La religieuse corrompue. Elle a une forme, tu la bats, terminé. Bon, par contre, j'ai cru comprendre qu'elle revenait après. Mais on va dire que, voilà, première phase, tu la tues, et puis tu la revois 2 heures plus tard, 10 heures plus tard, on s'en fout. Bref, non, voilà mon avis sur Sekiro, il fait pas grand chose d'autre à dire. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait avec DG. Pour moi, c'est, voilà, c'est pas un jeu trop dur. C'est un jeu qui est exigeant, mais voilà, c'est un peu le cas de tous les jeux From Software, donc... Voilà, c'est très très bon, et un jeu très plaisant à faire, très plaisant à regarder aussi, parce que je me mate un let's play, enfin, je me mate un guide en parallèle sur les zones que j'ai déjà faites, hein, je me spoil pas, attention, et du coup c'est très intéressant parce que il y a certains trucs, je me disais, tiens, ça, je me demandais à quoi ça servait, par exemple le cerf-volant au temple Senpo, je me demandais à quoi ça servait. J'ai vu ça dans un guide et bah, du coup je l'ai fait et puis j'ai pu aller niquer le serpent à la con grâce à ça. Voilà. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je vous fais des bisous, bonne vidéo si la vidéo continue. Hein. Je ne sais pas du tout où cette vidéo sera placée. Mais je salue en tout cas tout le monde. Je vous fais des bisous et puis j'espère que vous jouez à Sekiro, parce qu'il faut jouer à ce jeu. Voilà, très, très bon jeu, très content. Voilà. C'est bon, on arrête. Ouais, non, parce que en fait, c'est un jeu de merde, les gars. J'osais pas le dire, mais c'est vraiment de la chiasse. Hein.